Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques infos donc qui tournent depuis longtemps déjà sur plein de forums plus ou moins officiels concernant Destiny. Il y a un post qui a refait surface récemment sur Reddit, un post de Shunken Kid précisément, donc qui nous parle d'une prochaine future potentielle map sur le mode PVP, donc le mode épreuve de Destiny. Cette map, le bouclier noir Black Shield, représenterait une map accessible sur Phobos, qui sera actuellement une des planètes en gravitation autour de Mars. Donc on va regarder un petit peu plus en détail les informations qui ont été leakées sur cette prochaine planète, à commencer par sa date de sortie. Donc plusieurs personnes sur plusieurs forums s'accordent à dire que c'est une zone qui sera accessible avec le prochain DLC, donc la Maison des Loups. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de personnes parlent d'une zone uniquement disponible en mode PVP, donc pour le mode multijoueur épreuve. Personne n'a d'informations actuellement sur le fait ou non que cette zone soit explorable en mode PVE. Donc je pense que ce sera une carte uniquement limitée au mode multijoueur, mais c'est une info à confirmer. Donc notamment avec le site Planète Destiny, on avait eu quelques informations concernant les prochaines maps PVE. On nous parlait donc du voleur de Den, Chief's Den, donc sur la dépression d'Ishtar sur Vénus, ou encore du gardien du temps, je ne sais pas si c'est la traduction littérale, The Timekeeper, donc sur Meridian Day, Mars encore une fois. Et la dernière qui a été citée, c'est la zone morte en Europe, donc sur la Terre, on n'avait pas vraiment de précision. Et cette map un peu médiévale s'appelait la Cour de la Veuve, Widow's Cart. Donc on a eu quelques screens, on a eu quelques captures vidéo qui ont été divulguées par Bungie lors des trailers notamment. On n'avait pas plus d'informations pour le moment. On sait juste que cette map ressort énormément ces derniers temps et on pense simplement que ces cartes vont voir le jour avec le prochain DLC, la Maison des Loups. Donc comme vous pouvez le voir, on a regardé quelques screens et notamment des captures d'écran qui montraient bien que le gameplay se déroulait en mode épreuve. Donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus, sachez que IGN, donc la très connue chaîne IGN, a fait il y a un moment déjà une vidéo sur Phobos, donc sur le leak de Phobos. Vous pouvez aller y jeter un œil si cela vous intéresse. Si j'ai d'autres informations, je n'hésiterai pas à les faire partager. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment très hâte de découvrir ce prochain DLC. Je vous rappelle qu'on n'a pas non plus de date précise. En fait, tout cela est très flou. On attend vraiment des infos concrètes de la part de Bungie, mais on ne les a pas encore, malheureusement. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va sortir courant du mois de mai. A priori, là encore, c'est pas quelque chose de très certain. Certains parlent du 19 mai, donc pour l'instant, ça nous tient en haleine. On reste à l'affût d'autres informations. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les faire tourner, notamment dans l'espace commentaires, il est là pour ça. Si vous avez aimé ces informations, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous invite à me suivre sur Twitter pour de plus amples informations. À très bientôt tout le monde, ciao !